Comment? Le Denis? Oh, ben bien sûr, le Denis, je l'ai connu, il était grand comme ça. Moi, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Oh, c'est plutôt un taquin, le Denis, un coquin. Un épicurien, dirons-nous. C'est sûrement pas un vicieux, hein. Oh, ben non, il est pas pervers du tout. Hein. Ah, c'est pas du tout son genre, hein. Bon, de temps en temps, quand il passait derrière moi, quand il était plus jeune, il me foutait une bonne panier en me disant « Alors, Simone, ça travaille bien ?» Ben, c'était plutôt amical, c'était plutôt affectueux, dirons-nous. Hmm? Bon, il a toujours été un petit peu taquin, un petit peu coquin. Ça n'épicure rien, le Denis. Hein? Bon, ben souvent, d'ailleurs, quand j'étais un peu plus jeune, hein, certes, il me disait « Dis donc, Simone, venez me voir dans mon bureau, il y a du ménage à faire. » Une fois arrivé au bureau, il me disait « Vous voulez voir dans mon fournil ?» Alors, je disais « Ben pourquoi dans votre fournil ?» Il me dit « Ben j'ai du beau pain. » Oh, c'est un rigolo! C'est un plaisantin, le Denis! Non, je pense que tout ça est monté en épingle. Non, mais de nos jours, tout est exagéré. Avec les médias, tout ça, tout est exagéré. Et puis les histoires de sexe, vous savez, faut pas trop regarder ce qui se passe dans les couples, hein. Parce que si on soulevait le drap, oh, on en verrait, hein, Jésus, Marie, Joseph. Chacun voit midi à son iPhone et puis c'est tout.